c'est le Kikadi du Super Moscato Show. Nicolas et Xavier, vous allez vous affronter pour gagner un bon cadeau de 250 euros sur cadeau.com, la première boutique en ligne dédiée intégralement aux cadeaux. Des cadeaux personnalisés, attention. Bonjour messieurs. Bonjour. Salut. Alors, Nicolas, de Cournon-Terral dans l'Hérault. Oh, ça sent bon ça. À une heure de Ganges, magnifique. À côté de Fabregues surtout. Alors, entre Fabregues et Gignac. Oui. Exactement. On va te faire gagner, t'inquiète pas Nicolas. On va te faire gagner, allez. Tu veux jouer avec Moscato ou avec Dimeco? Dimeco, obligé. Bien sûr. Bien Mino. Comme il rochonne. Comme il rochonne dans le gros. C'est dommage. Moi je gagne. Je gagne moi, je fais pas de mini. C'est dommage Eric parce que t'aurais pu jouer avec quelqu'un de chez toi. Tu vois, Xavier, ouais. Paris 9e. Oh, t'es un loup, hein. Canal se mort. Je viens surtout pour vérifier le Kikadi, je suis président de l'IKF en fait. C'est Xavier. C'est Guibolt. C'est Guibolt. Il est là. C'est Guy, il y a un conflit d'intérêt là, évidemment. Il y a un problème là. Tire le sort. Tu sais quoi, il va se démasquer Guy sur le coup. On va voir s'il est pour Vincent ou pour moi. S'il joue le jeu ou s'il joue pas le jeu. Et voilà. C'est tout. Très bien. Alors c'est parti. Donc Nicolas, Dimeco, Maryse contre Xavier alias Guibolt, Vincent et Pierre. Qui qu'a dit ? Je n'aime pas être l'entraîneur, mais bon, on est là, c'est comme ça. Je n'aime pas être l'entraîneur. Non. Quelqu'un qui par la force des choses est devenu entraîneur, joueur de son équipe. Mais... Guito. Guito, Guito. Et là c'est, là tu joues pas contre Riri, Fifi et Loulou comme hier là, là ça va vite là. Guito, il a pris 4 balles la semaine dernière, il te fait raison le mec. Parce que tu veux le croire quand même. Là je vous ai écouté là pour trouver des réponses, des fois c'est 3 jours. Non mais j'avoue hier c'était pitoyable. Hier vous m'avez fait de la peine. Oh j'ai bien bossé, c'est Pierrot hier qui trouvait rien. Non mais Pierrot m'a fait de la peine, pas toi Marie, tu me fais jamais de la peine Marie. Allez Marie, remets-toi dans la marge. En attendant. C'était 1-0 pour Nicolas, équipe Dimeco. T'as pas fait des loopings, Maryse, non plus. Hein. Vas-y. Qui qu'a dit ? Il faut prendre des gens qui ont envie de porter le maillot bleu en équipe de France. Guimard. Cyril Guimard. Oui, Maryse, je l'avais noté. Tu es allé plus vite que moi. Oui. Maryse, je savais que tu pouvais compter. Je pouvais. Mais on se file ou quoi là ? Notre Cyril Guimard. Peut-être, mais là on parle de sport, Vincent. Peut-être futur sélectionneur d'équipe de France de cyclisme. Oui, Vincent. Oui, Maryse. Il est là, le druide. Je l'ai noté il y a 2 minutes, je m'en souvenais plus. Je deviens zézé, moi. Je deviens zézé, je l'ai noté il y a 2 minutes. 2-0 pour Nicolas, équipe Dimeco. Du bulbe. Vas-y. Maryse, Vincent. Allez, Maryse, Vincent. Je te crever, toi. Maryse, c'est du foot ou pas ? Le regard de Maryse, c'est Et concentre-toi parce que des fois tu paniques pour rien. C'est du sport, les amis. D'accord ? Maryse et VanGP, Vincent Moscato. Le 13 septembre 2017, dans quelle ville se trouvera Emmanuel Macron ? Mince, tu l'as dit tout à l'heure. Putain, Maryse. C'est sur la feuille. C'est sur la feuille. Alima. Oui, Maryse. Vincent, j'ai dit c'est sur la feuille. T'avais qu'à connaître le programme. C'est vrai. Alima pour la commission. Oui, voilà, ça fout. Il est Alima, ça fout. Même si c'est 3-0 pour Nicolas, équipe Dimeco. Oui, Maryse. Putain, tu m'as pas une fille. Tiens, petite question auditeur. Nicolas et Xavier. Bon, Pierrot, s'il file ou pas ? On va voir ce que vous, Xavier. On va voir Guy là. Rapidité, les gars. La carotte. Cette année, quelles équipes s'affrontent en finale de la Coupe de France de foot ? Angers Paris Saint-Germain. Le mec qui nous écoute tous les jours, il branle rien dans la semaine, lui. Ça, c'est vrai qu'il y a quand même un. Je sais pas. Je t'ai pas demandé ce que tu faisais comme boulot, Guibolt. Mais il y a de l'emploi fictif. Hein. Ouais, mais il fait rien. C'est les mecs qui bossent dans des startups, donc ça veut tout et rien dire. Mais qui écoute le Moscato Show à 16h, c'est un chômeur. Startup, restauration à domicile. Oui, oui, mais il est pas. T'as compris. 30 ans de spécialiste. Et puis, tu sais quoi ? En plus, il aurait pu être cuistot dans la startup. Mais non, non. Startup à Paris, ça veut dire subvention de l'État, subvention de la mairie de Paris, subvention du conseil régional. Enfin, t'as compris. Et qui c'est qui paye ? C'est Vincent Moscato. Allez, 3-1 pour Nicolas. Encore ils sont si allons. Allez, question, plus. Question BFM TV. Allez. Qui qu'a dit ? Ma chanson préférée, c'est The River de Bruce Springsteen. Edouard Philippe. Oui, Maryse. Il est fan de Springsteen. Je suis là aujourd'hui. Ah, tu es magnifique, Maryse. Je jure. Le premier ministre. Ceci dit, tu l'avais dit hier. J'avais que ça. Si, on a parlé hier dans le Moscato Show. Bien sûr. Edouard Philippe, premier ministre de la France. 4-1 pour Nicolas. Moi, c'est la musique qui m'a gêné. Vous avez mis la musique, ça m'a gêné. Peut-être il m'a dit tu perds pour relancer le Kikadi parce que là, on en baisse. Il m'a dit qu'aujourd'hui, il m'a dit c'est deux fois plus que ta phrase. Il n'avait pas besoin de forcer. Et si on faisait le premier qui a parlé du jour. J'ai plus que c'est pour moi hier, j'ai pas trouvé. Oui, vas-y. Vous fermez les yeux, attention. Ouais. Bonjour madame.
On est aujourd'hui Hidalgo. Prêt. Voilà. Oh. Bravo, bravo, bravo. Voilà, c'est, là, c'est, là, tu sais quoi ? Avant même qu'il ait posé la question, j'avais répondu. C'est très dingue. Impressionnant, Eric, tu es très impressionnant. 5 à 1 pour Nicolas. Pierrot de gauche. De... à l'Amérique, non, là, quand même. C'est de la déduction, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Deuxième, ouais, ouais. Deuxième kick à parler du jour, on ferme les yeux, il va parler de son projet. Bonjour, monsieur. Non, le projet s'annonce excitant. Non. Projet qui s'annonce excitant. Galtier ? Et on veut bien le croire. On veut bien le croire parce qu'il va avoir entre les mains un stade qui est magnifique. Ah, Lorenzetti ? Non, il va avoir entre les mains un coach qui est atypique. Ah, bien ça, c'est. Lopez. Gérard Lopez. Oh, je suis nul, je lui donne la réponse. Je lui donne la réponse en donnant le coach. Le nouveau propriétaire du LOSC de Lille. Mais je suis nul. Ah, oui, bah, c'est sûr. Gérard Lopez. Je suis nul. 5 j'avais dit Gomez, quoi. L'autre même pas, il savait. Nicolas. Non, ça, je savais pas, non, ça, c'est sûr. Putain, pourquoi c'est. Oh, Dorian Dimeco, tiens. Allez. La rage. La haine, oh. C'est du foot, hein. C'est du foot, les amis. Allez, Pierrot. Qui a dit si on se maintient, je rentre en marchant en Uruguay. Pablo Correa, ah, Pablo Correa, l'entraîneur de Nancy. Ouh, attention à la remontada, Eric, on reste là, on reste là. Tu vois, pas que l'autre il a les neurones givrés là, de son côté là-bas. Donc, il a pas sorti un nom encore. Allez, crois que et là, Gomez, t'es pas sorti Lopez. Égalité. Non, t'as sorti du tout. Mais si, je le dis, moi, Lopez. C'est ça, gna gna gna. Question, égalité, hein. Question. BFM TV, on y va. C'est pas égalité, hein, je te signale. Ok. Non, c'est 5-3 pour nous. Ouais. Alors, 4-3 puis au long. C'est que 3. Qui a dit Macron, l'Elysée, ce n'est pas parce qu'on est amis qu'on doit courir à la soupe. Je suis plus utile pour défendre le patrimoine là où je suis. Berne. Stéphane Bern, dans le Parisien aujourd'hui en France, aujourd'hui Marise, tu es. Oh non, mais là. Bravo. 6 à 3 pour non, Nicolas, là, équipe Dimeco. Elle est dopée, quoi. Elle lui a levé lui tous les titres, quoi. Nos petits dorés. Oh. Enfin. Allez, quoi. Question BFM TV, la dernière, allez. Ridicule. Je t'ai pas bien joué, cette fille, je t'ai pas bien joué. BFM TV. C'est la troisième. Il a non, c'est la quatrième. Il a trouvé une réponse, Pierrot, ton partenaire. Oui, ah non, c'est la quatrième. J'ai pas entendu le son de sa voix. Bah non, il y a eu Hidalgo, il y a eu Edouard Philippe, il y a eu Berne, c'est la quatrième. Ah non, mais Anne Hidalgo, ça, elle parle des Jeux Olympiques. Non, mais l'autre, il fout des raisons, Pierrot. L'autre, il a foutu, c'est Marise qui le sort la tête de l'eau. Trouvé, il a la ramasse. J'ai tout trouvé, j'avais tout. T'as rien trouvé. J'avais tout derrière Marise. Qui a dit nous n'allons pas. Nous n'allons pas nous confronter au président de la République, il a des missions fortes. Et, nous savons discuter. Coupé. Alors, je pense pas qu'il va faire exactement ce qu'il annonce. Hein. C'est. Oh putain. Il a des missions fortes. Quoi Baroin. Comme Adélice. Ah, François Baroin, chez Jean-Jacques Bourdin ce matin. Ah, mais oui, c'est vrai que c'était la BFM. Mais je pensais que c'était le François. Non, mais j'étais plus dans la BFM. J'avais décidé que c'était pas la BFM TV. C'est du Pierrot dès que c'est la droite du pro. C'est le camp de Pierrot, quoi. C'est le camp de Pierrot, il connaît tous par cœur. C'est la fibre fine que crotte, qu'est-ce que tu veux. 6-4 pour Nicolas, équipe Dimeco. C'est comme ça, les amis. J'ai un deuxième face-à-face et dernier entre Maryse et Vincent. Et Maryse. Allez, alors là, si ce n'est pas du foot, tu vas l'humilier. Ce n'est pas du foot, c'est du sport et c'est du sport qu'on aime. Le 11 juillet 2017, où se trouvera, dans quelle ville se trouvera Emmanuel Macron ? Lima ? Non. Non, à Paris. Los Angeles. Juste un indice. Lausanne. Lausanne. Oh, mais là, quelle humiliation ! Mais même il a été de te plaindre, même pas t'essayes. Tu l'as humilié. Lausanne pour la présentation du dossier par 2024 devant les Royaumes. Ouais, mais c'est l'athlétisme là-haut. Non, c'est pas de l'athlétisme. C'est les JO. C'est de l'athlétisme. Les JO, il y a pas du rugby aux JO. Mais oui, tu l'as humilié. Allez, 7-4 pour Nicolas, équipe Dimeco. Ouais, fatigué aujourd'hui là. Eric, surtout toi. Face à face. Auditeur, face à face, auditeur, Nicolas Xavier. Face à face, mec, il dit face à face. Très, très simple, si Daniel Riolo veut débattre, je lui réponds, je le saurai, je veux débattre, mais en face, face à face avec lui. Simultané. Simultané. Jean-Michel Aulas qui s'adresse à Daniel Riolo. Ouais, je suis avant, oh là là. Mais non, dis-moi aussi. Guy, je pense que t'es avant, mais bon. Bien sûr. Ouais, impossible à déterminer, donc simultané. Bah, on va refaire une question auditeur, alors c'est parti. Il a voulu tricher, mais il n'a pas de conviction. Dernière question auditeur du jour, les gars. Très simple, comment s'appelle le propriétaire du LOSC ? Gérard Lopez. C'est pour Nicolas. Allez. 8-4. Yes. Ah, ben la décima, Eric, on est nul. T'es nul, Guy. Allez, la décima. Mais non, Guy, quoi. Oh, t'es nul. Kick. Ah, Paris-Bordeaux le mort. Guy, on a perdu c'est Guy. Ça, Guy. Kick a dit. En réalité, téléphone des toilettes et crac, il a été aspiré. Kick a dit, travailler. T'avais quoi, c'est la balayette. Kick a dit, travailler dans les médias, ça m'a permis de continuer de vivre ma passion différemment. Non. Et je les en remercie. Alors pourtant, c'est quelqu'un qui a un rapport avec les médias, parfois très conflictuel. L'impact des médias, ce quatrième pouvoir, s'est accentué et j'ai pu comprendre les erreurs que j'ai pu faire.
pas Dupra. Raymond Domenech, mais comme Raymond Domenech, il a été sélectionné. Il a été sélectionné. Lièvremont. Santini. Pas Lièvremont, mais tu te rapproches. Ah, Pierre Berbizier. Avec Dimeco. Pierre Berbizier. Allez, c'est gagné pour Nicolas. Nicolas, le bon d'achat. T'as pas voulu lui donner l'humiliation de la décima. 250 euros de cadeaux personnalisés sur le site cadeau.com. Vincent.